Chaque message, un journalier de ta petite voix intérieure, peut être une direction générale pour ta journée. Et réécouter ce message le soir peut t'aider à considérer ta journée qui vient de s'écouler. Namasté. Bonjour, je suis ta petite voix. Et je viens te dire aujourd'hui, 20 janvier, tout ce que j'ai est à toi. Quand tu apprends à mettre les choses essentielles en premier. Mais tu dois prendre du temps. Tu dois prendre du temps afin de sonder ton petit cœur, pour savoir ce que tu mets en premier dans ta vie. Souviens-toi, tu ne peux rien me cacher. Alors, eh bien, sois complètement franc et honnête avec toi-même. Est-ce que ton travail pour moi signifie plus pour toi que n'importe quoi, ou es-tu enclin à le reléguer à l'arrière-plan et à faire ma volonté seulement lorsque tu te sens de la faire et que cela t'arrange? S'il en est ainsi, tu ne mets pas les choses essentielles en premier, tu sais. C'est seulement lorsque tout m'est abandonné que je peux travailler librement en toi et à travers toi pour, eh bien, pour faire advenir mes merveilles et ma gloire. Que ton abandon ne soit pas fait à moitié ou avec crainte. Quand tu donnes quoi que ce soit, donne-le. Donne-le de tout ton cœur. Et avec une immense joie et un amour authentique. Et n'aie aucun regret d'aucune sorte. Sache que j'utiliserai ton don de la meilleure façon pour mon honneur et ma gloire et pour le bénéfice du doute. Je te souhaite une excellente journée. Douce pensée.